augmenter beaucoup de choses. La chose essentielle est bien sûr que la température augmente. La température augmente partout sur les terres émergées et presque partout sur les océans. Les glaciers fondent. L'effet sur les glaces est spectaculaire. En particulier, les glaciers de montagne ont des stockages de glace beaucoup moins importants. Puis, il y a une variation de la pluviométrie qui va donc impacter les ressources en eau des pays. Il y a la montée du niveau de la mer qui est inquiétante. Alors, cette question est plus subtile et elle demande, si vous voulez, une compréhension un peu plus fine des résultats des modèles et des observations dans les différentes grandes régions du monde. Mais on peut dire des choses simples. C'est que l'augmentation de température sur la Terre sera plus grave dans les tropiques que dans les régions de moyenne latitude. Pourquoi ? Parce qu'une augmentation de 1 degré dans les tropiques est une augmentation qui est inhabituelle dans ces régions, parce que ces régions ont un climat qui est très stable d'une année sur l'autre. Et donc, ils ne sont pas habitués à des variations de température. Puis, il ne faut pas oublier qu'il fait déjà très chaud dans ces régions. Qu'augmenter de 1 degré, c'est difficile à supporter. Au contraire, dans les régions de moyenne latitude, on est habitué à des variations du climat d'une année sur l'autre. Et donc, une augmentation de 2 degrés sera peut-être plus facile à supporter. Non seulement pour les hommes, bien sûr, je parle, mais aussi pour les végétaux, pour les forêts. Donc, ceci est une première chose importante. L'autre point qui me paraît très important, c'est le fait que quand les glaciers fondent, eh bien, ça joue sur les ressources en eau. Et donc, dans les pays dont la ressource en eau dépend de la fonte des glaces pendant la saison, justement, où il ne pleut pas et où on va remplir les fleuves grâce à cette fonte des glaces, eh bien, on aura un problème de ressources en eau. Et ça, c'est un problème qui peut être majeur, parce que le problème de l'eau dans les années futures deviendra un problème qui sera difficile à surmonter. Alors, notre alimentation a un effet important sur les gaz à effet de serre. Vous savez, dans les rapports du GIEC, du groupe intergouvernemental d'études du climat, on estime que le secteur des terres, qu'on note AFOLU en anglais, c'est-à-dire le secteur de l'utilisation de terres, de changement d'usage des terres, des forêts, est responsable de 24% des gaz à effet de serre, ce qui est important. Attention, dans ces 24%, il y en a 11% seulement qui viennent de l'agriculture. On peut considérer un certain nombre de points qui sont peut-être pas assez mis en valeur dans notre société et qui doivent jouer dans les décisions que nous prenons. Premièrement, l'agriculture et les forêts absorbent du gaz carbonique. Et ceci n'est pas pris en compte dans ce pourcentage. Donc, il y a une réduction à considérer. Deuxièmement, l'agriculture est surtout responsable des émissions de protoxyde d'azote et de méthane. Or, les chiffres que l'on avance sur ces quantités, sur ces gaz, sont quand même encore un peu incertains. Clairement, le dernier rapport du GIEC dit qu'il faudra revenir sur ces chiffres et essayer de les étudier de manière plus régionale et plus précise. Troisièmement, on oublie de penser que l'agriculture a aussi un rôle essentiel qui est la faim dans le monde. Et on ne peut pas négliger ce volet qui est essentiel. On doit considérer qu'il y a une absorption de gaz à effet de serre et de CO2 en particulier par les végétaux, la forêt et l'agriculture. Et cela donc peut être augmenté par des pratiques agricoles différentes, par des reboisements. Et donc on dit en fait que le secteur AFOLU, c'est-à-dire forêt et agriculture, peut jouer un rôle majeur dans l'atténuation des émissions des gaz à effet de serre, probablement plus que dans d'autres plus vite et plus que dans d'autres secteurs. On parle beaucoup d'agroécologie, on parle beaucoup de culture de conservation, on parle aussi des sols qui peuvent aussi
stocker du carbone et on peut réduire les choses, réduire ses émissions. Au niveau des ruminants aussi et de l'élevage, on pense à des méthodes qui permettent de réduire le méthane, réduire aussi les émissions de protoxyde d'azote grâce à des cultures qui peuvent apporter de l'azote de manière naturelle dans les sols au lieu de mettre des intrants. Mais tout ceci, en fait, doit être étudié cas par cas parce que tout n'est pas possible partout de la même manière. Et donc, prendre des études qui ont été faites en milieu de latitude tempérée et croire qu'elles vont s'appliquer dans les régions tropicales est une erreur majeure. Et donc, on ne peut pas parler de méthode globale qui marche partout. Et il y a quand même une petite hypocrisie à croire que tout va aller mieux parce qu'on a trouvé le bon chemin. Ce bon chemin doit se définir régionalement par des agriculteurs et une population locale qui va travailler dans ce sens-là. Mais il est inévitable que l'agriculture doit baisser ses émissions, ça c'est sûr. Même au niveau des problèmes de pollution, bien évidemment, qui sont très importants.